Salut, on est le jeudi 22 octobre 2023. Il est 19h25 et j'ai arrêté de tricher. <laughs> non, en vrai, ce titre, il me fait beaucoup rire. J'adore cette expression de tricherie. Tricher. Je me suis dit, ça pourrait faire un sujet, surtout que j'ai pas mal d'idées que je voulais aborder aujourd'hui en podcast. On reprend la caméra, on reprend le micro et c'est reparti pour, pour ouais. discuter de tout ça. Euh, où j'en suis aujourd'hui On va faire un petit état des lieux parler un peu de notre actu pour ensuite du coup parler de ce sujet et vous comprendrez un peu toutes mes idées, enfin j'espère. Euh, truc trop cool aujourd'hui, parlons-en vite fait, euh, j'ai Vincey qui a fait une vidéo pour mettre en avant Terne, voilà sur son Instagram et sur son TikTok, il a posté un petit format court d'une minute où il parle de terne de la DA, il fait plein de compliments, c'est super gentil euh, d'avoir autant de... De, de, déjà d'appréciation de, euh, gratuite en public comme ça, et ça va vraiment mettre en avant euh, la marque, enfin, c'est cool quoi. Et j'apprécie parce que Terne a un peu moins d'un an, enfin un peu plus d'un an quand même, et euh, c'est cool de voir des gens euh, aussi influents euh, dans notre milieu euh, mettre en avant comme ça quoi. Voilà, merci à lui, et ça tombe bien parce que demain on a un drop Terne, on sort sept nouveaux vêtements, euh, un hit. Deux, euh, deux gilets et euh, quatre t-shirts. C'est bien ça. Sept nouveaux vêtements. Je suis trop content de comment Tern évolue. Je ne sais plus trop où on était dans le dernier podcast, mais aujourd'hui, Terne, c'est quasiment euh, un drop par mois, euh, toujours en stock, donc expédition rapide, avec des produits et des propositions super intéressantes, je trouve. Euh, franchement, euh, on apprend tellement avec le projet. Par exemple, récemment, un de nos gros points d'apprentissage, c'était un peu le pricing. Euh, comment valoriser notre travail, à combien l'estimer et tout, et on a fait une expérience, on a sorti un nouveau pull, qui est un pull en nit avec une texture un peu mohair, euh, un peu euh, nuageuse on va dire euh, un truc assez doux, assez intéressant, et ce pull là est eh tous nos, on va dire concurrents, mais c'est pas forcément le, le mot que j'aime bien employer, mais toutes les marques autour de nous euh, le propose aux alentours de 85-90 euros. Et nous, on a décidé, parce qu'il nous coûte super cher à fabriquer, de le mettre à euh, 109,90 euros, en gros 110 euros. Ce qui est un prix cher. C'est un produit cher. Et j'avais un gros doute sur ce que les gens allaient accepter, bah, à, à quel point nous, on valorisait le produit. Et il s'est trouvé qu'au drop, en 20 minutes, euh, on avait vendu 80% du stock de ce pull, quoi. Ce qui est fou! Donc je suis trop content, ça donne confiance sur le fait qu'on arrive à créer des trucs intéressants et euh, on va enfin pouvoir pratiquer des, pr des prix qui sont viables aujourd'hui quand, quand on regarde juste le marché des marques indépendantes et je trouve et tu peux en parler avec plein de gens de, du milieu et de l'industrie, il euh, y a comme une bulle des marques entre guillemets indépendantes et, euh, et on reste dans des prix qui ne sont pas réalistes aujourd'hui, euh, vendre un t-shirt 30 euros quand tu es une marque indépendante, bah oui tu peux le faire tu vas gagner un peu d'argent mais c'est pas un prix et c'est pas des marges suffisantes pour se développer et avoir une structure qui tourne totalement quoi donc nous on a essayé de, de positionner Terre dans un placement de prix un peu plus euh, bah premium même si c'est même pas forcément euh, ultra cher euh, et c'est intéressant de voir qu'on y arrive quoi. on vend euh, des t-shirts à 50 euros on en a vendu euh, plus de 1000 quoi. Et... et là, on va faire ça avec des VS, etc. Voir un peu comment ça se passe. Mon but, c'est pas du tout proposer les prix euh, les plus chers possibles, mais c'est juste qu'en fait, si on s'enferme dans la bulle des marques indépendantes, on va s'enfermer aussi en termes de type de produit, en termes de prix, en termes de positionnement. Et moi, j'ai pas envie d'être une marque indépendante toute ma vie. Euh, j'ai envie de me détacher un peu de cette euh, image-là euh, et être une marque euh, comme va l'être, je sais pas, euh, Pata. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a Arte. Je trouve que dans leur positionnement en prix, ils se sont totalement éloignés, même ceux-ci, en fait, de ces prix de marque indé. Euh, on arrive sur des prix beaucoup plus matures où ce sont beaucoup plus des achats réfléchis par les consommateurs. Enfin bref, ça, c'est intéressant. Je ne veux pas vendre des produits chers parce qu'on veut les vendre chers. Je veux juste qu'on puisse pratiquer des prix qui sont, en fait normaux et euh, qui permettent de vraiment valoriser notre travail. Très content de tout ça parce que on explore, on apprend assez vite. Et ce que j'ai découvert, c'est qu'en fait, en faisant des sorties sur Tern tous les mois et en stock, ça me permet d'aller beaucoup plus vite. Le système des précommandes, je l'ai souvent mis en avant, souvent utilisé parce qu'il est incroyable. Ça permet à une petite structure de se développer sans prendre trop de risques. Mais euh, quand tu fais des précommandes, tu vas avoir un mois, un mois et demi de production. 2-3 euh, semaines d'import et après une semaine d'expédition. Donc en gros, tu vite à 2, voire 3 mois, si ça dure tard, euh, pour ta précommande. Et en fait, si tu fais une, une précommande sur ta marque, ça va l'immobiliser, ça va la paralyser pendant 2-3 mois. Ce qui revient à un quart de ton année pour une seule opération. Ce qui est super intéressant au début quand tu veux développer, mais quand tu dois payer des salaires, un local, toute une structure, ce n'est pas possible. Et le fait de faire du stock... On a réussi à le faire parce qu'on remet l'argent qu'on a fait grâce aux précommandes. Donc euh, vraiment, on a juste réinvesti. On... C'est fou, quoi. Et ça nous permet de tester beaucoup plus régulièrement euh, des nouveaux produits, des nouvelles directions artistiques, des nouveaux styles de vêtements. Des... En fait, là où si tu fais des précommandes, tu vas faire 3-4 drops par an. Si tu fais du stock, tu peux faire un drop par mois, si ce n'est plus. Et donc tu vas aller trois fois plus vite parce que tu vas pouvoir vendre trois fois plus de vêtements. En théorie, tu vas pouvoir tester trois fois plus de choses. Enfin, c'est vraiment un modèle intéressant. Bref, voilà un peu où on en est. Euh, J'attends beaucoup les prochains mois parce que ce sont les mois où on va proposer nos premières vestes. Et des vestes, ce sont des produits forts, des créations super intéressantes, originales. Enfin, j'ai hâte de, dé de, dé de dévoiler un peu tout ça. Et je suis vraiment passionné par ce qui se passe. C'est j'ai repris grave goût à, à mon activité et je suis euh, voilà j'ai mis un peu de gratitude envers ça c'est génial quoi. Euh, voilà où en est FV par rapport à ça FV ça continue là en ce moment même où on parle on a notre production qui est en transport de, du coup de, des usines jusqu'à nous euh, et si tout se passe bien on devrait faire un pop-up si on a le temps, sinon ce sera que online malheureusement, avec une nouvelle collection avec un nouveau thème et un nouveau projet FV euh, pareil, c'est une veste, un pantalon et il y aura aussi un t-shirt exclusif, je pense. Euh, avec un concept intéressant, j'ai hâte de le montrer, mais FV n'est pas du tout abandonné. C'est une critique, enfin, une remarque qui arrive de temps en temps dans les commentaires de nos vidéos et tout. Et, euh, et en fait, non, FV n'a jamais au, autant existé, n'a jamais autant créé parce que FV, c'est le local, c'est la marque terne aussi. Et, et c'est marrant parce que les gens attendent des produits FV comme si on en sortait beaucoup alors qu'on n'en a jamais sorti beaucoup. Habituellement, je sors. Euh, 2-3 drops par an FV. Quoi. Et, euh, et juste là, vu qu'on sort beaucoup de Terne, les gens me disent mais où est FV dans l'histoire bah, FV est toujours là, il sera toujours là au même, au même rythme en fait. Juste ça prend plus de place, temps à se mettre en place et tout, parce que c'est des projets totalement différents. Mais voilà, super intéressant. Et... Et, et voilà, quoi, je pense que ça va tourner encore pendant pas mal de temps. J'ai hâte de voir encore une fois Terne comment ça va avancer. Quoi. Euh, FV pareil, mais FV a déjà fait ses preuves. FV, FV, FV évolue déjà en fait. Euh... Voilà. Je, je prends encore un peu plus à cœur mon rôle de, de gérant, de patron. C'est marrant, mais c'est désormais mon rôle aujourd'hui. Et donc, structurer, fixer des règles et tout, euh, c'est aussi un peu ce qui se passe. Ça se passe bien, je pense, j'espère. <laughs> je ne suis pas forcément la personne en face, mais je pense que ça se passe bien pour le moment. Euh, voilà. Peut-être que dans l'année prochaine, on va doubler, voire tripler l'effectif. Il y a moyen qu'on recrute encore. Et euh, ça va être marrant, enfin, intéressant comme période, quand ça va être. Euh, encore plus de responsabilité, encore plus de, de contraintes et, et voilà. Parce que quand j'entends, quand j'écoute des podcasts de gens qui des, qui évo font évoluer leur structure, en fait le, le, le gérant il passe plus de temps après à gérer l'humain qu'à gérer euh, vraiment le projet. Et euh, on verra bien comment ça se passe quoi. On verra bien comment ça se passe. Du coup j'ai appelé ce podcast, euh, j'ai arrêté de tricher. Euh, C'est un sujet que j'aborde souvent euh, avec mon entourage et tout. Euh, parce que je trouve ça super drôle d'utiliser le mot tricherie, euh, un peu à tort et à travers, mais je trouve qu'il évoque quelque chose de super pertinent et super intéressant. Il y a un podcast qui est sorti avec euh, Adrélanine il y a quelques jours à l'heure à laquelle j'enregistre, où j'évoque un peu ce sujet de tricher. Et, euh, et c'est un peu toute ma philosophie par rapport à comment j'aborde mon travail, comment j'aborde ma vie, et, euh, et, et l'idée de tricher. Comment je pourrais définir en fait euh, ce que c'est que la tricherie, <laughs> ce que c'est que le fait de tricher euh, je sais pas, j'évolue moi dans mon environnement, donc que ce soit dans mon travail, dans ma vie et tout, et, euh, et des fois, il y a la possibilité de prendre des raccourcis. Euh, des raccourcis qui vont peut-être te faire gagner du temps, mais que j'assimile des fois à de la tricherie. Parce qu'ils sont pas vraiment pertinents, et ils répondent pas vraiment à pourquoi je fais quelque chose. Par exemple, un sujet totalement euh, classique, euh, dans l'évolution de mon travail, euh, il faut que nos comptes, nos réseaux sociaux prennent en abonnés. Le chemin classique, le chemin à mes yeux sans tricher, c'est de créer du contenu pertinent, d'en faire régulièrement, et naturellement comme ça, tu prends des abonnés. Un, un élément de tricherie qu'on pourrait amener, ça serait faire un concours, un concours, faire gagner quelque chose sur Instagram, faire en tout cas demander aux gens de s'abonner pour avoir quelque chose. Euh, tu vas pouvoir évidemment du coup atteindre plus vite un objectif, mais pas de la bonne des manières. Et surtout que des fois je trouve que la... En fait j'appelle ça tricherie parce que des fois ces raccourcis ne sont pas du tout pertinents pour atteindre ton objectif et pour, euh, pour faire ce que tu veux réellement faire. C'est-à-dire que faire un concours Instagram, très bien, tu auras accompli le, le fait de gagner plus d'abonnés euh, sur Instagram, qui est peut-être ce que tu voulais faire, mais est-ce que ce sont vraiment les abonnés dont tu voulais Pas forcément. Et du coup, ça peut être contre-productif sur ce pied-là. Et en fait, ce schéma-là de tricherie, j'appelle ça la tricherie, euh, on le voit partout. On le voit vraiment partout, partout, partout. Et, euh, et je fais attention à comment euh, j'opère pour... Euh, faire les choses à mes yeux de la bonne manière. Ce qui est assez intéressant aussi avec ça, c'est que quand j'en parle avec, euh, je sais pas, que ce soit Eliot Osan, Tom ou Jean et tout, chacun a sa vision et sa limite personnelle. Chacun va définir un peu. Euh, ce qu'il a réaccepté en fait, euh, et ce qu'il considère comme étant de la triche ou pas. Et ça, c'est vraiment propre à chacun. Ce qui est super drôle, en fait, parce que pour moi, je vais dire que faire un concours, c'est tricher, alors que pour la marque d'en face, elle n'est pas du tout, et ça fait partie de leur stratégie, et c'est OK. Mais en fait, c'était juste une manière pour moi de voir si je suis aligné dans mes, euh, dans, dans, dans mes baskets, et si je fais vraiment ce que j'ai toujours voulu. Si je ne m'égare pas, en fait. Si je ne m'égare pas, et c'est vraiment ça le, le, le thème. Et, euh, et ouais, dans ça, dans plein de trucs, quoi. Et, et en gros, par exemple, récemment, j'ai totalement arrêté de boire des sodas. Euh, je bois plus de coca depuis je deux mois, alors qu'avant je, je buvais euh, deux, trois, quatre canettes par jour, ce qui est énorme, quasiment un litre, un litre et demi, et euh, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Et là, euh, carrément, j'ai arrêté du jour au lendemain, et je suis grave content. Euh, je vis ma vie simplement, et, et je suis très content. Et ça, sur plein de points, sur vraiment plein de points, ce euh, truc euh, de tricherie, euh, je le trouve très pertinent parce que je trouve que chacun peut s'adapter à son activité. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre, par exemple, comme tricherie Par exemple, un sujet qu'on avait abordé dans le dernier podcast avec Adré, euh, c'est la publicité sur les réseaux sociaux. Euh, moi, je suis fervent défenseur de créer du contenu organique, créer du contenu pour grossir, pour se découvrir. Évidemment, ça sera peut-être plus lent que si tu faisais la publicité, que si tu faisais des concours. Mais pour moi, c'est une manière de construire une communauté super engagée, super solide, qui croit vraiment en ton message, qui le comprend et qui sait pourquoi elle te suit. Euh, évidemment, euh, si je voulais vendre des vêtements, je pourrais faire euh, de la publicité sur Instagram, sur TikTok, sur Twitter, enfin un peu partout. Et ça me permettrait de vendre peut-être plus de vêtements. Mais, euh, mais en fait, je pars du principe que... Peut-être que c'est totalement bête et que dans quelques années je reviendrai sur ces propos, mais je trouve que par exemple euh, c'est un peu comme euh, du maquillage et que ton contenu n'est pas assez bon pour performer pour lui-même. Euh, quand je dis maquillage, c'est vraiment sur le terme euh, maquiller euh, des défauts, mais je parle pas forcément du maquillage cosmétique. Euh, en gros, euh, moi je pars du principe que mon contenu est tellement bon qu'Instagram va le mettre en avant euh, naturellement. Alors en tout cas c'est ce que je tends à faire. Je dis pas que tous mes toutes mes vidéos sont excellentes, mais c'est juste que quand je crée une vidéo, j'essaye de faire en sorte qu'elle soit tellement bonne que je n'ai pas besoin en fait de plus mettre de l'argent pour que les gens la voient. Instagram a besoin de ce contenu et un peu comme si on échangeait un peu notre rapport de force. Euh, si aujourd'hui demain il n'y a pas de contenu sur Instagram, Instagram ne tourne pas. Ils ont besoin des créateurs de contenu. Ils ont tellement besoin les réseaux sociaux qui sont prêts à nous payer par exemple sur TikTok, sur YouTube pour te pousser à créer du bon contenu. et euh, et moi, je crois vraiment en ce truc que les marques de vêtements, que les, je sais pas, les coiffeurs, les boulangers, les bouchers, les, les, les compagnies aéronautiques, enfin toutes les entreprises euh, pourraient exister à travers du contenu organique et se développer comme ça. Tu es suffisamment intéressant euh, quand tu arrives à maîtriser, à créer du contenu pour euh, te développer naturellement sur le réseau. Et changer un peu ce rapport de force. Instagram a, a besoin de toi. Tu n'as pas besoin d'eux pour vendre. Eux, ils ont besoin de toi pour pour montrer du contenu intéressant aux gens. Et quand tu te positionnes comme ça, en fait, tu peux tout faire euh, du coup, euh, naturellement, euh, de manière organique et tout. Et je sais pas, c'est un peu ma manière de voir les choses. Elle évolue tout le temps, hein. mais, euh, mais c'est un peu comme ça que je façonne euh, tous les trucs. Et depuis... Euh, je sais pas quand est-ce que es le dernier podcast, on va regarder un peu. Mais depuis le dernier podcast, du coup, je fais assez attention à ça. Et euh, j'essaie que quand je crée, tout soit... Soit fait et réfléchir un peu de cette manière là mon dernier podcast euh, on va regarder ça, la vie comme expérience il doit remonter de bah de, me, de la première fois où je me suis payé ce qui devait être il y a, il y a quand même euh, quelques temps hein. c'est vrai que je me, je, me suis, je me rémunère maintenant la vie comme expérience flub, excusez moi je tape ça sur youtube mon dernier podcast il remonte à il y a deux mois peut-être un peu trois mois peut-être même il remonte, je vais pas la date précise en juillet et euh... ok ça c'est intéressant euh, j'avais oublié que c'était euh, juillet je poste peu mais du coup où est ce que je voulais en venir J'ai totalement oublié voilà je suis tellement pas professionnel mais euh... voilà depuis ce moment là depuis juillet depuis euh... j'essaye de poster assez régulièrement en fait sur euh... Sur, euh, sur Instagram, en gros euh, le compte Foreign Vacation sur Instagram, il s'est vachement développé et il essaye de devenir un peu le média du local. Ce qui fait que tous les, euh, j'essaye un peu toutes les semaines de faire des vidéos où on documente euh, ce qui se passe. Et je suis vraiment super agréablement surpris par les résultats parce que il euh, y a énormément de monde qui nous découvre et qui comprend le message comme ça au quotidien. Donc ça permet de mettre en avant euh, tous les mois euh, chaque drop turn euh, qu'on a. Ça nous permet de documenter bah, les futurs projets avec qui vont arriver. Et pour moi, le contenu a une place tellement importante. Par exemple, euh, c'est un super pouvoir pour nous parce que le jour où on va vouloir écouter un peu plus, eh ben, on va pouvoir prendre la parole sur les réseaux et les gens nous connaissent déjà et ça nous permet d'attirer des talents de fous. Euh, que des marques, euh, que je pense, qui ne font pas de contenu, euh, ça va être beaucoup plus compliqué pour eux. Même niveau, euh, en fait, euh, relation, les gens avec qui je peux parler sur Insta et tout, ça nous ouvre des portes de fou. Genre euh, toutes les semaines j'ai des messages et des opportunités qui s'ouvrent grâce au contenu concret et je pense que si on faisait euh, les choses d'une manière différente bah déjà ça me correspondrait pas ce serait pas moi ce serait pas qui je suis mais euh, on n'aurait pas autant d'opportunités euh, euh, la dernière fois on avait une opportunité pour réaliser potentiellement euh, une publicité euh, pour nous euh, un projet assez intéressant. Euh, des fois, j'ai des passages dans des médias euh, qui me sont proposés. Euh, j'ai eu Combini d'évoquer il y a quelques semaines. J'ai fait il y a aussi quelques semaines euh, Move. Je suis passé à la radio. Et tout ça, c'est des opportunités géniales que je ferai ou que je ferai pas, mais ce sont des portes qui sont ouvertes parce que, euh, en fait, les gens nous connaissent vraiment et savent euh, qui on est et comment on fait les choses. En tout cas, à travers le contenu du Compost. Mais euh, ça leur donne un super moyen de nous découvrir et de nous connaître, de comprendre ce qu'on fait. Et je trouve ça génial. D'ailleurs, euh, je vais grave essayer euh, dans les prochains mois d'investir dans une caméra pour reprendre bah, la création de contenu euh, vidéo et peut-être faire des vidéos YouTube où on documente un peu les projets et tout. En fait, ce qui me fatigue, c'est que j'ai une caméra bah, que j'utilise là pour filmer, mais elle est tout le temps en setup pour faire des photos. Et je kifferais avoir un. C'est ça un caprice. C'est totalement un caprice, mais je kifferais avoir une caméra, euh, meilleure déjà, et euh, avec un rig vidéo tout le temps opérationnel, en fait. Tout le temps avec un micro branché, euh, avec euh, tout fait pour filmer et vlogger. Comme ça, on aura tout le temps de quoi filmer, euh, c'est ce que je pense acheter dans les prochains mois. Mais ouais, ce sera l'occasion de reprendre un peu le contenu. Mais voilà, c'est des euh, portes de fou qui s'ouvrent au quotidien grâce au contenu, et je ne peux jamais vous, autant vous encourager à créer du contenu... Enfin, euh, c'est c'est fou quoi. Il n'y a, y a, y a rien qui paye autant que créer du contenu. Et créer du contenu sans tricher. Le, le plus gros skill que tu puisses avoir, c'est être intéressant. Parce que si tu es fondamentalement intéressant, tu vas réussir à intéresser les gens quand tu vas parler dans un bar, quand tu vas parler dans une conférence, quand tu vas faire une vidéo, quand tu vas faire un podcast, quand tu vas être au téléphone, quand tu vas parler à, dans une réunion. Si tu arrives à être intéressant et bien communiquer, tu vas pouvoir faire beaucoup plus facilement passer tes idées et faire parler de toi. quoi, C'est un super pouvoir de fou. Et je ne suis pas encore bon là-dedans, mais je travaille et tout. Et j'essaye de faire en sorte que du coup, ça se répercute dans le contenu et tout. Mais essayer d'être intéressant, ça te permet de faire tellement de choses. Et, et ça va beaucoup avec ma vision que j'ai sur le futur des réseaux sociaux et, et comment je vois un peu l'environnement de travail et des entreprises évoluer. et bien, il y a ce truc-là de, il faut une figure qui représente ta marque ou ton entreprise qui arrive à communiquer, qui est intéressante. Je crois, moi, un futur dans euh, 5 ans, 10 ans euh, où euh, toutes les plus grosses marques sont représentées par des humains. Euh, ou alors, les grosses marques collaborent avec des humains. Par exemple, je ne sais pas, une marque de voiture euh, va travailler avec euh, un designer connu, euh, mais en fait, qui est aussi une figure publique connue par tout le monde pour permettre d'écouler des voitures. C'est probablement d'ailleurs déjà le cas. Mais euh, par exemple, moi, je ne m'intéresse pas aux voitures, je ne connais pas les gens, les gens qui designent. Euh, par contre, euh, dans d'autres domaines qui m'intéressent euh, tout aussi peu, euh, je connais les gens qui design. Bref, je pense que l'industrie va se modifier et qu'on aura de plus en plus à, à faire à des têtes, euh, des humains, des visages euh, à travers des projets et des produits. Et voilà, faisais beaucoup de mots compliqués, j'ai l'impression. <laughs> Même moi, j'ai du mal à, à comprendre ce que je dis. Mais, euh, mais je crois beaucoup en ça. Et euh, le jour je me faisais une réflexion, carrément, je l'ai noté sur mon téléphone. Et euh, cette réflexion-là, j'étais en train de réfléchir quel était un peu le format. Euh, le, en gros, tous les réseaux sociaux, ils évoluent. Quand j'ai commencé FireVacation, il n'y avait pas encore TikTok, il n'y avait pas encore les Reels, tout ça. Enfin, en cinq ans, tout a vraiment changé du, du tout pour tout, quoi. Et euh, comment ça va évoluer à l'avenir Parce que moi, je ne serai pas toujours pertinent. Dans, dans, dans quelques années, les gens vont peut-être commencer à se désintéresser de moi, peut-être que je ne serai plus à la page. Donc, comment faire pour comprendre un peu ce qui peut se passer et être sur le train le plus longtemps possible, quoi Et, euh, et je réfléchissais un peu à... Quels étaient un peu les formats, les contenus qui impactaient le plus la vie des gens Et, euh, et je pense avoir trouvé quel était le format de contenu qui est probablement le contenu qu'on verra le plus à l'avenir, en tout cas qui sera le contenu le plus fort. Mais aujourd'hui, si on se pose et qu'on est là et qu'on réfléchit à quel est le contenu qui impacte le plus les gens, je pense que c'est le streaming. Je pense qu'il n'y a pas un contenu qui engage.. Plus les gens qui matrixent le plus les gens que les streams. Euh, ça peut être des émissions télé en live, en direct, comme surtout le live sur Twitch, moi je parle. Et en fait, en tout cas, je me suis fait cette réflexion-là en, en, en creusant dans ma tête et je me disais, mais en fait, le, le nombre de streamers et streameuses qui ont des problèmes, par exemple, par rapport à, à des relations parasociales, qui est le fait que leur audience ou certaines personnes de leur audience va se projeter dans des relations amicales ou. Amoureuse avec des personnes Qui ne connaissent pas. C'est ce qu'on appelle les relations parasociales. Et il y a beaucoup de streamers qui, en ce cas-là, de, de, de leur audience, qui euh, deviennent fans, accros un peu à, à ces personnes-là. Et, et je n'ai pas trouvé En fait un format de contenu qui dégageait une émotion aussi forte et aussi engagée. En gros, euh, peut-être que le podcast, ça va être un peu ce format-là, parce que vous passez quand même des fois. Enfin, euh, même moi, quand j'écoute un podcast, je passe une heure et demie, deux heures, des fois, toutes les semaines, avec la même personne. Mais je pense que le stream est vraiment le format. Qui, euh, qui crée des émotions aussi fortes que celles-ci. Euh, évidemment, les vidéos YouTube, euh, tu vas avoir un peu de relations parasociales, les TikTok, les, les, les posts de blog, mais ce, ce qui génère le plus, j'ai vraiment l'impression que c'est le stream. Et, et vu que le but des réseaux, c'est euh, créer euh, un environnement euh, avec. Euh, voilà, un, un nouvel environnement de, de vie et d'échange social, et eh bien. Euh, je pense que du coup, euh, c'est grave un format qui va être encore plus poussé. Surtout que le stream euh, permet euh, après publication d'avoir des rediffusions, d'avoir des extraits qui peuvent être postés en, en, en TikTok, etc. Enfin, c'est un, un format en fait qui est probablement celui qui sera le plus adopté euh, par tout le monde. Alors évidemment, je pense qu'il y aura encore toujours de la place pour de la vidéo pure et tout parce que euh, faire du stream, ça coûte cher pour la production de, de gros trucs et même tout le monde n'est pas adapté et apte à faire du stream et je ne vois pas tous les formats vidéo aller vers le stream, mais je pense que ça va prendre encore plus de place parce que euh, les réseaux veulent pousser ce, 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 cet échange entre l'audience et le créateur aussi fort. Quoi. Et euh, un autre élément qui me fait penser ça, il y a, je crois, une semaine ou deux, Instagram, ils ont sorti euh, leur conférence Meta et tout, et euh, dans cette conférence, ils ont annoncé, genre, je crois, 30 comptes d'Instagram euh, qui sont des comptes d'intelligence artificielle. Alors bon, il y en a plein des comptes gérés par des IA, mais là, c'est des comptes gérés par des IA par Meta, donc par Facebook, par Insta. Et ces comptes-là, en gros, ce sont des comptes de personnalités euh, publiques, genre Kendall Jenner, MrBeast, euh, des humoristes, des athlètes, euh, des acteurs. Et en gros, ils ont euh, bah, du coup leur vrai compte officiel euh, MrBeast. Et MrBeast, il a aussi un, un nouveau compte, géré par Meta, euh, qui est une intelligence artificielle de lui-même. Ce qui est assez bizarre, c'est qu'il ne l'appelle pas MrBeast, il l'appelle, euh, je sais pas, un autre nom, genre Chris, je sais pas quoi. Et, euh, et donc il y a pas mal de comptes comme ça, ils ont l'étiquette d'ailleurs IA. Et le but c'est que les gens peuvent interagir avec ces comptes. Euh, donc le compte il poste évidemment a priori de manière automatique des posts, des stories et tout, mais surtout tu peux échanger en DM avec lui sur Instagram. Alors j'ai pas réussi à le faire moi, mais j'ai vu des gens qui l'ont fait et qui montraient un peu comment ça se passe. Et en gros tu peux envoyer un DM, envoyer un message vocal et l'intelligence artificielle va répondre en face. J'avais pu tester un truc comme ça similaire il y a genre euh, un mois ou deux un mec qui avait développé tout seul ça sur, Insta, sur, sur Telegram, et j'avais testé, et en gros, c'était euh, quelqu'un qui reprenait euh, Mister Beast son comportement, et qui avait fait une IA avec ça. Et en gros, ça te fait un fil de discussion sur, Instagram, euh, sur Telegram, où tu parles avec la personne, donc tu poses des questions, il répond de manière pertinente et tout. Et des fois, euh, vraiment, je lui ai demandé, est-ce que tu peux me faire un message vocal, où tu me fais une dédicace Et ce qui est perturbant, c'est que l'IA l'a fait. Genre, l'IA... Euh, est-ce que je pourrais le retrouver Mais en gros, l'IA a, euh, a généré automatiquement un message vocal où elle disait comme message euh... Ouais, je l'ai, je l'ai. Ah, purée, je l'ai, voilà. Il carrément s'envoie les photos et tout. Est-ce qu'il y, y a plus les messages vocaux aussi Attendez si. Hey, oui, je parle français. Comment puis-je tater aujourd'hui Hey, hey, what's up Hey, oui, je parle français. Comment. Et un autre Hey, hey, what's up This is Mr. Beast here. And I've got a special shout out for Elon Musk. Elon, my man, you've done some incredible things for the world, and I admire your innovative mind. Keep pushing boundaries and making a difference. You're definitely not a fumier in my book. Stay awesome, my friend. And remember... <laughs> et là, moi, je lui avais demandé, en texte, fais-moi une dédicace pour Elon Musk, le fumier. C'est pour ça qu'il parle de fumier et tout. Et c'est impressionnant parce que bah, ce bot a été développé par un mec tout seul. Ça s'appelle MrBeansTwinsy. Euh, Twinsy, je pense que c'est le nom de la boîte qui avait généré ça. Et c'est, je crois, un mec solo qui a développé ça. Quoi. Et ça, c'était... Il euh, y a. C'était en, en août. Là, on est quelques mois plus tard et Meta, du coup, Instagram lance la même chose. Et autant dire que s'ils veulent mettre des millions dans le développement, ils ont des millions à mettre. Et c'est perturbant parce que là, le terme de la voix, c'est exactement le bon et le même. Il fait exactement ce qu'on lui demande. Et en gros, on arrive, j'ai l'impression, dans une phase des réseaux sociaux. Alors, je dis pas que ce sera ça demain, ça sera peut-être ça dans 2, 3, 4 ans. Mais un peu euh, une guerre du parasocial où les réseaux sociaux essayent de te faire euh, euh, passer du temps à échanger avec des IA qui reprennent des interactions humaines. En mode, euh, le but, c'est qu'ils veulent que Miss Service devienne euh, ton pote, quoi, à travers les DM, pour que tu passes du temps, évidemment, sur l'application, que tu crées une relation avec, et que ton moyen de communiquer soit passé par Facebook et leurs produits. Mais c'est fou, parce qu'on rentre dans un, un espace où... Euh, où ils sont là, à essayer de nous gratter et de nous matricer. En tout cas, pas forcément nous, parce qu'on va être vieux. Mais la nouvelle génération de, de kids, à leur faire passer du temps à échanger avec des IA pour, euh, pour créer des relations sociales. quoi. Euh, je trouve ça fou. Je trouve ça vraiment fou. Je trouve pas. Ça, je trouve pas ça forcément euh, euh, kiffant. C'est un peu badant. J'avoue que j'en ai parlé avec des potes et tout et euh, J'étais en mode, peut que ça va être le moment où moi, je vais quitter les réseaux si ça commence à prendre le, le dessus, parce que ça me parle pas du tout, voire même ça me fait flipper. J'ai pas envie que moi, dans mon travail euh, sur FV et tout, on ait... Euh, en tout cas, aujourd'hui, je n'arrive pas à imaginer et concevoir ce que là de... de, de... Parce qu'en fait, là, purement, ce qu'ils sont en train d'essayer de faire, c'est créer des faux liens d'amitié et des faux liens de... des fausses relations humaines, quoi. Et, euh, et moi, je suis vraiment partisan du réel. Je crois aux réseaux sociaux pour... Euh, renforcer nos connexions réelles, mais pas pour ce genre de trucs. Quoi. Et je suis assez curieux de voir comment ça va évoluer, du coup, parce que dans l'état, c'est quand même assez flippant. Euh, voilà, on verra comment ça évolue, mais euh, c'est un sujet super intéressant, et, et les comptes, j'ai essayé de vous retrouver les comptes pour que vous puissiez aller les voir, mais en gros, euh, il suffit de trouver euh, un des comptes du lot, et ils se sont tous abonnés entre eux. Euh, donc le Instagram de Kendall Jenner, c'est yours. Your, yours is Billy, uh, Yours is Billy, euh, et du coup, si vous allez dans les abonnements, vous verrez tous les autres comptes euh, similaires. Par exemple, voilà celui de Mister Beast, c'est Comédie Zach, euh, et c'est <laughs> bon, il a entre guillemets que 3000 abonnés, mais euh... mais ouais, non, c'est vraiment vraiment perturbant. Je sais pas comment ça va évoluer. C'est spe... pas ce, ça, pour... en fait, c'est pas ce pourquoi j'ai signé particulièrement et que j'ai, c'est pas ce qui me fait kiffer dans les réseaux sociaux, quoi. Euh, moi je crois en ce truc que les réseaux sont un super moyen de se rassembler dans la vraie vie. C'est pour ça que j'aimerais de plus en plus créer des interactions dans la vraie vie quoi. C'est ça qui me touche vraiment moi personnellement. Mais j'ai peur que ça aille pas dans ce sens-là et que bah nous on n'ait pas forcément le contrôle là-dessus quoi. Enfin, on verra bien, on verra bien. Mais ouais, sacré sujet. J'avais peut-être noté des trucs euh... sur mes notes que est qu dans ce là enfin, Ah oui, et en fait, je me disais euh, ce truc-là de guerre du parasocial, en fait, ça donne lieu à des il euh, y a des créateurs de contenu. Je pense beaucoup à Emma Chamberlain par exemple, qui est une meuf qui fait des vidéos YouTube depuis des années. Peut-être qu'elle en fait moins en ce moment, mais en gros, elle documente juste sa vie euh, classique, normale, enfin, qui est plus si classique, plus si normale, mais il euh, n'y a pas forcément euh, un peu comme les nations en fait aussi au final. Mais euh, ce truc de Bot IA, yeah, c'est parfait pour ces créateurs-là parce que ça va pouvoir encore plus prolonger leur univers dans des échanges au quotidien avec leur, leur audience. Quoi. Euh, ouais, voilà un peu tout ça. Mais euh, est-ce que ce serait pas du coup triché Est-ce que ce, ce truc d'IA et de fausses relations serait pas triché Et euh, en gros, faire un raccourci sur le vrai truc qui est en fait des vraies relations humaines, moi je trouve que si, et c'est peut-être pour ça que ça ne me parle pas. Euh, pour en revenir à la triche. mais euh, Ouais, non, c'est spécial. Je votre avis. N'hésitez pas à commenter sur YouTube ce que vous en pensez par rapport à ça, mais... Un peu flippant, voilà. Euh, sinon, en, en actu récemment, euh, j'ai un pote qui a lancé une marque avec un produit assez particulier. Euh, je ne vais pas donner de nom, je ne vais pas dire ce que c'est précisément en public, mais euh, ça a peut-être donné lieu à un podcast euh, sur, euh, sur comment il a créé ce projet, parce que j'ai suivi le truc depuis le début et je pense que ça peut vraiment péter. Euh, en gros, euh, je suis assez convaincu, par exemple, pour revenir aussi un peu à la triche, que si tu as un bon produit, et eh bien euh, tout est assez facile à faire. Si tu as un bon produit, c'est facile à expédier, c'est facile à vendre, c'est facile à fabriquer, c'est facile à communiquer. Et, euh, et lui, il a vraiment réussi à trouver en premier produit dans sa vie euh, un bon produit. Et je suis curieux de voir comment ça va évoluer. De toute façon, euh on va, on va, forcément faire un podcast comment ça se passe et raconter un peu tout les chiffres, comment il a fait évoluer le projet, le début, les coups de comme et tout. Mais assez marrant, surtout qu'on a fait, euh, il a fait un coup de flag marketing qui est euh, un de mes mots préférés en ce moment, le flag marketing, le marketing quand t'as rien et que tu veux <laughs> essayer de faire un coup de fou. Et euh, très 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 curieux de voir comment ça a évolué. Euh, c'est une dinguerie aussi, ouais. C'est que ça, j'en ai pas parlé dans le dernier podcast, mais. Euh, du coup, là, vu que j'ai commencé à salarier l'équipe, je découvre toutes les démarches qu'il y a à faire pour salarier. Alors, c'était très, il euh, y en avait beaucoup au début, ça me faisait un peu flipper et tout. Euh, toutes les, euh, il n'y a pas beaucoup de, de normes, mais tous les papiers, tous les trucs à, à remplir, souscrire les assurances, la prévoyance, euh, le fait de mettre des bandes réfléchissantes sur les marches, tout ça. Euh, si tu veux être carré, il y a pas mal de trucs à faire en fait en France. Et je capte du coup euh, les boîtes, euh, les startups là qui tournent sur des stagiaires ou des freelances. Euh, euh, je dis pas que c'est bien, mais je capte pourquoi elles veulent pas s'embêter avec ça et qu'elles se concentrent sur leur croissance et tout. Euh, c'est pas forcément cool euh, et c'est peut-être aussi du coup un peu triché. Mais, euh, mais je capte un peu mieux pourquoi des gens ils veulent esquiver tous ces trucs-là. Parce que quand tu veux du coup faire ça correctement, c'est assez euh, lourd comme je trouve euh, process. En tout cas quand tu es tout seul et que personne te l'apprend. Mais, euh, mais en vrai, c'est totalement gérable. Enfin, je pense que je vais réussir à le faire. On, veut... On en parlera de toute façon dans les futurs podcasts. Est-ce que ça se passe bien d'avoir... Euh trucs de salariés et tout. Mais... Euh... Ouais, non, c'est... C'est lourd, quoi. C'est lourd. Euh... J'avais d'autres éléments que je voulais aborder. Euh... Ah ouais, aussi, voilà. Super intéressant. Euh... Tern, du coup, la direction artistique, c'est essentiellement basé sur Internet. Et du coup, toute la culture un peu geek qu'il y a autour. Et... Euh... Et c'est assez perturbant euh, parce que, souvent, on veut utiliser des références, euh... par exemple... Euh... Je voulais faire pour Golery euh, la dernière fois un maillot ou un t-shirt avec un graphique. Et sur le graphique, il y avait euh, le pingouin Tux de Linux, qui est du coup un pingouin qui a été créé par un mec de la communauté euh, Linux, open source, tout ça. Et en fait, euh, il y a beaucoup d'éléments graphiques ou des références culturelles euh, qui sont euh, créés par des gars euh, qui viennent du coup vraiment de l'informatique, qui sont des geeks, et qui sont un peu dans cet environnement... Euh, Open source et qui créent eux sans euh, volonté euh, commerciale, capitaliste, tout ce que vous voulez. Et, euh, et du coup, il y a beaucoup de projets ou de références qu'on aimerait faire, mais qu'on ne peut pas faire parce que euh, ça ne serait pas respecter euh, notre milieu et notre environnement-là. Par exemple, euh, utiliser ce pingouin. Il me semble que le pingouin, euh, il est sous des licences où tout le monde peut les utiliser, plus ou moins pour faire n'importe quoi, tant que tu signifies euh, ou, ou que tu notifies entre guillemets le créateur. Mais. Euh, mais je ne pense pas que ce soit par exemple ultra apprécié par la communauté de prendre le pingouin et en faire un objet commercial, le mettre sur un t-shirt et faire de l'argent dessus. Il euh, y a beaucoup d'éléments comme ça euh, que tu ne peux pas en fait prendre et utiliser pour faire de l'argent quand tu es une entreprise. D'un côté c'est assez frustrant parce que ça te limite beaucoup dans tes créations quand tu veux prendre des rêves ultra pertinents et tout. Mais d'un côté c'est la volonté des créateurs derrière donc... Euh, on essaie de faire de la, la meilleure des manières possibles. Mais il euh, y a vraiment pas mal de fois où on était con, contraint un peu sur ce sujet-là où, euh, où es là à essayer de vouloir faire un projet et en fait, euh, c'est pas possible. Ou alors, ça serait possible si tu t'en battais les couilles. Ce que, ce que peut-être qu'on fera un jour, mais je pense pas. Mais euh, si t'en bats les couilles et que t'as juste envie de faire ton truc, ça marche. Mais euh, si tu veux vraiment respecter l'artiste la, et le créateur derrière, c'est un peu compliqué. Ça pose plein de nouvelles questions que j'avais pas forcément en tête. Et... Euh, c'est un peu des fois frustrant quand même dans le côté créatif parce que ça serait... Je sais pas, imagine, tu fais une peinture tu fais euh, je sais pas, un, une construction Lego parfaite et il te manque la brique qui va tout finaliser qui est exactement celle qu'il te faut, genre je sais pas une, une porte ou un, un moteur, un mécanisme et t'arrives pas, à, tu peux pas l'avoir parce que sinon ça respecterait pas ton environnement et tout. Et vu qu'on essaie de faire les choses bien en tout cas bien selon nous, ça nous freine pas mal de fois sur ces sujets là, enfin c'est assez, euh, assez assez intéressant comme sujet. Euh ouais non c'est bon, voilà l'actu je suis assez étonné d'ailleurs de voir un peu euh, les retours qu'on a eu euh, sur le dernier podcast parce qu'en gros euh, le dernier podcast je parle de que je me suis versé mon pre premier salaire et, euh, et c'est fou de voir euh, comment de podcast en podcast euh, comment ils performent de mieux en mieux je sais pas si c'est parce que je suis devenu euh, entre deux grandes guillemets de plus en plus cool de plus en plus euh, suivi ou si c'est juste que les gens euh, découvrent au plus je sais pas c'est fou mais en gros euh, Là où par exemple sur euh, un podcast que j'ai sorti il euh, y a neuf mois, euh, sur YouTube j'avais fait 900 vues. Enfin 800. Sur le dernier, je suis quasiment à 4000 vues. Quoi. Euh, ça, plus les écoutes Spotify et tout, ça fait un... des sacrées audiences qui commencent à suivre les podcasts. Euh, malheureusement, j'ai pas assez de temps pour en faire autant que j'en voudrais. Mais euh, c'est impressionnant comment le format podcast se développe de mon côté. Euh, ouais, peut-être qu'il faudrait que je le prenne plus au sérieux. Il y a une marque euh, en Espagne qui s'appelle Nudes Project et euh, dans leur marque de vêtements ils ont un podcast et... où ils interviewent des gens ils discutent et tout alors je suis pas du tout le podcast mais peut-être que c'est quelque chose que je devrais faire Ou en gros je je considère le podcast comme faisant partie de mon travail et du coup euh, bah, ça opère pendant des horaires de boulot ça investit de l'argent s'il faut euh, et ça le met en avant littéralement avec euh, le compte Instagram FV je sais pas peut-être que je le ferai évoluer de cette manière là en fait ça l'est déjà plus ou moins parce que la vie comme expérience, c'est le long du podcast, mais c'est aussi le message d'ev. Donc, c'est forcément lié d'une manière ou d'une autre. Mais ce que j'ai envie de le linker au point où, euh, je sais pas, je 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 me rends pas compte totalement de quelle manière je devrais le faire. Mais euh, mais vu en fait à quel point ça m'intéresse et à quel point on m'en parle régulièrement, euh, peut-être je me dis il y a encore un truc à faire. Mais je sais pas, j'aime bien le fait aussi que ce soit fait à la légère, que ce soit pas forcément structuré, que euh, que je fasse comme j'aime et j'apprécie quoi. Euh, voilà. Tiens, c'est assez marrant. Euh, on, on développe pas mal du coup de, de, de vêtements avec, FV, avec Tern. Hein, et euh, on entre dans une phase qui m'arrivait pas beaucoup avant. Souvent avec FV, quand je designais un produit, j'étais quasiment sûr de le sortir à la fin. Et, euh, et quand je regarde autour de moi, quand je vois un peu tous les prototypes qu'on a mis euh, et qu'on a fait avec, euh, avec Tern, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, qui sont faits en fait un peu juste en mode RD. Euh, des fois, on va tester des coupes, des impressions, des détails qu'on va pas du tout utiliser sur ce projet là, mais qu'on va fusionner sur un autre projet et tout. Et, et c'est super intéressant de travailler de cette manière là. On peut le faire car on a la chance d'avoir des fonds à investir dans du prototype plus ou moins comme on veut. Et même, euh, on commence pas mal de fois à avoir des prototypes offerts par les usines, ce qui, ce qui est vraiment agréable parce que un prototype qui va coûter 100, 150, 250 euros. Bah, ne pas le payer, ça fait euh, de l'argent que je peux mettre ailleurs, donc c'est cool. quoi Et euh, j'aime bien cette manière-là de travailler parce que euh, des fois, on fait un peu comme euh, du sampling musical, mais avec nos propres créations. Par exemple, il y a une grosse veste en jean qui sort, euh, j'espère, en novembre. Et, euh, et en fait, à la base, c'est juste on avait testé de faire une veste en jean, euh, mais juste comme ça, même pas forcément pour commercialiser. Et, euh, et quand je suis parti au Japon, j'ai vu un détail, je l'ai remis sur euh, la veste en jean qu'on avait créé j'ai en fait assemblé différents éléments de nos créations et de créations extérieures. Pour en faire un tout nouveau produit et euh, créer dans le réel comme ça, c'est génial. Et en plus, vu que c'est des vraies histoires, des vraies références physiques qu'on a, euh, ça permet de créer du super contenu ultra, euh, touche, euh, ultra matérialisable. Et c'est trop pratique du coup pour communiquer. Euh, voilà. Je suis trop content aussi parce que euh, j'utilisais Notion depuis pas mal de temps. En gros, euh, j'ai peur d'en avoir déjà parlé dans les derniers podcasts, mais c'est On va aller un peu dans le détail là-dessus. En gros, j'utilisais beaucoup Notion pour travailler. Euh, avec Tom et Jean, c'est un peu là où il euh, y a nos messages prédéfinis pour euh, quand on parle avec des usines et qu'on doit donner, euh, je sais pas, les informations de facturation. Enfin, il y a pas mal de ressources. Et euh, bah, vu qu'on a commencé à lancer pas mal de productions en même temps, pas mal de prototypes, euh, on ne pouvait plus juste se souvenir de tête de ce qu'on avait payé, de ce qu'on attendait, de ce qu sur quoi on travaillait. Il nous fallait un outil qui regroupait un peu euh, tous les dossiers sur lesquels on était en, en ce moment. Et euh, moi, je connais pas les logiciels de d'entreprises qui existent. Je ne sais pas s'il en existe, peut-être qu'il en existe probablement, mais du coup, pour faire ça, on a utilisé des notions. Et, euh, et du coup, là, on a un super espace. Euh, je ne peux pas forcément le montrer parce qu'il y a plein de données euh, comme les prix de production, les noms des usines, les noms des contacts et tout. Enfin, je ne peux pas forcément le montrer visuellement, mais en gros, on a fait un big tableau avec euh, chaque ligne. Du coup, c'est euh, par exemple une production. Et euh, sur, sur cette ligne-là, on a mis combien il y a de produits, quand est-ce qu'on l'a commandé quand est-ce qu'on est censé le recevoir euh, avec des images, les fichiers, les factures et on a fait ça sur je sais pas tous nos derniers projets, ce qui fait que on construit cette base de données euh, en ligne et après Tom par exemple lui il a accès à un calendrier puisqu'il gère la logistique, où il voit euh, quand est-ce qu'il y a des flux de réception en gros, quand est-ce qu'on reçoit de la marchandise Et tout ça c'est mis en, euh, à jour euh, grâce à la base de données de base. Dès que je vais ajouter une production et que je vais avoir l'information sur quand est-ce qu'elle part, je l'ajoute, Tom sera mis sur ce calendrier-là et il sera ok. Ça veut dire que du coup, dans la logistique, il faut que je fasse de la place parce qu'on va recevoir 300 items, telle date. Et euh, pareil, ça nous fait aussi un calendrier de sortie. Avant, on avait ça sur le mur avec euh, tous les mois euh, imprimés visuellement euh, les sorties. Et là, on a la, la même manière, mais de manière informatique, en temps réel et tout. Enfin, c'est super pratique, c'est gratuit, ça fonctionne trop bien. Et je suis grave content d'avoir découvert Notion pour ça. Euh, je comprenais pas tous ces trucs de base de données et tout à l'époque. Et là, j'ai enfin compris comment ça sert. Et ça fonctionne de fou malade. C'est trop pratique. Euh, je ne sais pas comment je pourrais mieux le définir sans vous le montrer. En fait, c'est un peu ça le problème. C'est que vu qu'il y a des données confidentielles un peu. Et que je fais un peu attention à ces données-là. C'est compliqué. Mais en fait, même juste... En fait, on arrivait à un problème où... Euh, un jour, il y a une usine qui nous relance en mode euh, ⁇ "Hey, on a enfin fini ça !⁇ qui était un prototype qu'on avait oublié, mais qui traînait genre depuis deux mois et demi, ce qui est inacceptable. Et si on si ne l'avait pas oublié, on aurait relancé l'usine plein de fois. Et on s'était un peu avoir là-dessus. Ce qui fait que du coup, là, on a, euh, par exemple, un, un espace où on a tous les dossiers en cours, on a un espace avec euh, tous les, les projets qu'on aimerait bien lancer, on a un espace avec euh, toutes les productions qui sont à payer, combien il me reste à payer, justement. Toutes les productions en cours, tous les prototypes en cours, et là en trois clics, je peux savoir combien il y a. Par exemple, là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, on a 12 euh, prototypes en cours. On a précisément 30 euh, euh, productions en cours aussi. Enfin, c'est euh, trop pratique. Et tout ça, c'est hyper malléable. Je l'invite grave si vous avez des marques de vêtements à commencer à vous organiser comme ça. Même si vous pensez peut-être pas en avoir besoin dès le début, si vous commencez à bosser avec une ou deux personnes en plus, ça va grave vous aider à suivre tout ça. Et, et du coup, je peux avoir des, des vues en temps réel sur qu'est-ce qu'il y a du retard, qu'est-ce qui est -ce qu payé et tout. Enfin, je ne pensais pas il y a deux ans être excité par ce genre d'outils et de projets. Wesh. Mince, y'a... Yeah. Y a le... ouais, je ne sais pas si on entend le bruit, excusez-moi, il y a le mur photo qui est tombé, mais c'est pas grave. <laughs> je ne pensais pas du coup être intéressé, et excité par ce genre de projet, mais c'est tellement pratique, ça me fonctionne trop bien. Et, euh... et en fait, ça me permet d'être en temps réel avec Jean. Et probablement que je vais ramener quelqu'un dans les mois qui suivent pour aider Jean. Je vais probablement chercher quelqu'un pour l'aider sur la production, donc parler avec les usines, et sur la création de textiles purs. Je cherche toujours des profils, mais il n'y a rien. Qui correspond exactement à ce que je cherche. Donc, je sais pas comment je vais faire, mais je vais probablement essayer de chercher quelqu'un pour l'accompagner pour que ça soit un peu plus agréable de travailler et plus stimulant aussi. Euh, voilà. Parce que, aussi, ce qui est frustrant, ce qu'on a découvert les mois derniers, c'est qu'il y avait tellement de trucs à faire. Jean, il avait tellement de production à gérer, Tom, tellement de retours, euh, de logistique à faire et tout. Et moi, j'étais sur euh, bah, le fait de salarié structurer 2-3 trucs, qu'en fait, on se retrouvait à. Bah, là où avant tout le monde était toujours au courant de tout ce qui se passait, là, c'était plus le cas. Par exemple, avant, Tom, il était au courant de tous les prototypes qu'on lançait, toutes les productions qu'il y avait en cours, parce qu'on était, était toujours tous les trois à discuter et bah, travailler en même temps. Mais vu que chacun est sur ses tâches différentes, dans son pôle différent, et eh bien, euh, des fois, moi, je ne suis pas forcément au courant de tous les samples que, le, que Jean, il est en train de travailler, ce qui fait que, du coup, à la fin de la journée, il va me le dire. Euh, Tom, des fois, on reçoit des prototypes, il est même pas au courant qu'on avait lancé ça. Et euh, c'est fou comment la structure évolue. D'un côté, ça va vite... Genre, on, on pourrait penser que ça va lentement et tout, mais je trouve que ça va super vite. C'est vraiment euh, assez impressionnant de voir la, la vitesse à laquelle ça va. Et, et en fait aussi, je commence beaucoup à trouver ma place et mon jeu. Euh, en gros, euh, on a un environnement avec plein de marques qui travaillent de manière différente. Il y a des marques qui sont euh, représentées par des artistes qui font... pertinente et qui nous parle le plus possible en faisant le moins de concessions. Euh, je me vois pas être euh, devenir le numéro un textile pour le moment. C'est pas mon, ça m'intéresse pas en fait. Mais euh, mais j'ai envie de grossir quand même parce que grossir va nous permettre de recruter plus, de faire vivre plus de gens, de faire plus de projets. Euh, donc trouver un peu cette balance là. Et, euh, et j'aime bien le rythme qu'on prend avec Terre. Euh, surtout qu'il y a aucun drop où on est en mode ah c'est nul ce qu'on a sorti, on n'aurait pas dû faire ça. Enfin il y a peu de drops qu'on a regretté et tout. Enfin aucun en fait c'est tellement agréable de travailler de cette manière-là quoi genre euh, je dis pas que les autres regrettent ce qu'ils sortent hein, je pense pas du tout mais moi je pense que si je jouais le jeu des autres peut-être que j'aurais ce, euh, ce, ces réflexions-là que je me ferais tout seul ce qui est je pense ultra frustrant quand t'es un petit créatif euh, voilà il y a ah ouais aussi pas mal d'éléments qu'on a changé euh, en gros euh, ça revient un peu à ce que je disais au début il y a un peu cette bulle des marques indépendantes euh, qui existe. Alors bulle, ça crée une connotation négative, mais je pourrais juste dire groupe ou tendance. Enfin, on peut remplacer ce mot par juste groupe. En fait, ce groupe c'est peut-être plus pertinent. Mais il y a un peu ce groupe de marques indépendantes et naturellement euh, Forever Vacation, c'est beaucoup vendu euh, en utilisant ce terme de marque indépendante. On va donner une marque indépendante, on a une marque indépendante. Et, euh, et ce que je disais au début, c'est que en mettant des prix un peu plus chers, moi j'aimerais bien sortir de cette bulle parce que quand je dis bulle, j'ai vraiment l'impression qu'on s'enferme dedans. On se met des limites parce qu'on est limité par notre milieu et notre environnement. Et j'ai pas envie que ce soit le cas, moi, sur nos créations et sur notre manière de travailler. Et pour, du coup, euh, sortir de cette bulle, ou en tout cas, ne pas être perçu par les gens trop comme cela, euh, évidemment, du coup, on essaye de monter les prix quand c'est pertinent et qu'on en a besoin. Euh, mais aussi, on fait pas mal d'efforts qui sont peut-être invisibles pour le client. Mais par exemple. Euh, euh, on a essayé de le faire avant, mais là on le fait vraiment. Toutes les étiquettes de tous les produits ternes, ou alors 99%, ce sont les mêmes. Euh, ce sont exactement les mêmes étiquettes. Là où une marque indépendante, euh, vu qu'elle va travailler avec 5 usines différentes, elle va avoir 5 étiquettes euh, différentes. Il euh, y a aussi des trucs, par exemple, euh, des petits détails, par exemple sur les étiquettes de taille. En gros, en général, une marque de vêtements, elle met une étiquette avec le logo et quelques informations et une étiquette de taille à côté, euh, SML. Et souvent l'étiquette de taille, c'est l'usine qui la fournit, c'est une police standard qu'on peut pas modifier. Et en fait cette police-là, elle est super impersonnelle, super moche, et elle, elle casse, je trouve, toute la direction artistique du produit. C'est un petit détail à la con, mais ça, ça décrédibilise et ça met beaucoup ta marque de vêtements euh, comme une marque de vêtements indépendante, ou une marque de vêtements euh, qui débute, émergente. Et du coup, on fait attention à ce genre de détails maintenant parce que Jean m'a éduqué là-dessus et il m'a fait prendre conscience sur le fait que c'était important de faire attention à ça. Et du coup, nous, on n'a pas l'étiquette de taille comme ça, on a l'étiquette standard avec la taille dessus. Et là, on est allé un peu plus loin récemment. Enfin, on l'a fait il y a des mois, mais ça va commencer à être sur les produits vendus que pas ce drop-là, mais celui d'après. En gros, on a fait fabriquer nos étiquettes dans une usine. On l'a fabriqué genre 15-20 000. Et euh, c'est nous qui fournissons les étiquettes. Aux, aux usines de vêtements. Ce qui permet d'avoir exactement la même sur nos euh, 3-4 usines différentes. Euh, ça, c'est un détail, par exemple. Et ça permet tellement, de, je trouve, d'asseoir ta marque et de la rendre mature, parce que c'est tous ces petits détails mis bout à bout qui vont faire en sorte que l'expérience s'assimile à quelque chose de tellement pro et différent de ce qui se passe tôt, autour. Et, et à mes yeux, c'est trop important. Par exemple, classique, euh, quand vous commandez chez nous, vous avez un emballage plastique. Euh, on va garder un emballage plastique qui est celui qui délimite le produit. En gros, euh, quand vous recevez le produit, il est dans un plastique. Euh, quand tu demandes de rien à ton usine, en général, elle va te mettre le plastique le plus standard possible. Et c'est un plastique fin, ultra brillant, qui fait beaucoup de bruit quand tu le bouges et quand tu le manipules. Il, il se crispe un peu et tout. Et ce plastique-là, il fait vraiment un bas de gamme... Enfin, euh, il fait pas très qualitatif, quoi. Il fait pas réfléchi, il fait. En fait, on a l'impression que les vêtements ils subissent ce plastique-là, euh, voilà. Et du coup, pareil que les étiquettes. On a fait fabriquer des emballages plastiques qu'on envoie à chacune de nos usines pour qu'ils aient exactement la même taille, le même logo, la même qualité. Et c'est un plastique qui est quali. Déjà, il peut être réutilisable, même si je pense pas que plein de gens le réutilisent pour l'instant. Mais euh, c'est un plastique quand tu l'as en main, il fait quali. Il fait pas euh, cheap. Euh... En gros, quand tu... le client il reçoit sa commande il perçoit tout de suite, une expérience je trouve beaucoup plus quali c'est des petits détails à la con ça coûte de l'argent mis bout à bout, mais c'est ça qui permet d'asseoir vraiment notre projet terne comme étant une marque de vêtements parce que une marque de vêtements pour moi ça passe par là, et, euh, et du coup on fait ça sur, sur plein d'éléments euh, par exemple là, dans bah, normalement dans, dans 10 jours, on reçoit euh, je sais plus je crois 10, 15, 20 000 euh, Emballage euh, d'expédition. Habituellement, on envoie dans des sachets d'expédition classiques que toutes les marques utilisent qui sont euh, bah, des polymailers en plastique. C'est le plus simple, c'est le plus efficace. Le meilleur truc, c'est un sachet plastique opaque avec une bande de colle. Et euh, là, du coup, on, euh, moi, je voulais me rapprocher d'un truc un peu comme euh, ce qu'ils ont Amazon. Amazon, ils ont des emballages euh, papier cartonné craft euh, avec euh, une, bande, une bande autocollante. Et, euh, et j'en trouvais pas trop. Euh, en Europe, euh, en base vierge, en fait. Et du coup, là, on a fait fabriquer euh, sur mesure, à la dimension qu'on voulait, avec euh, notre customisation et tout dessus. On a fait fabriquer nos propres emballages d'expédition. Et... et voilà. C'est des petites pièces qui, mis bout à bout, complètent beaucoup, beaucoup, beaucoup l'expérience. Et euh, alors, ouais, on perd de l'argent et tout. On ne triche pas. Mais ça nous permet, je trouve, de proposer vraiment une expérience complète et géniale pour le consommateur. Je sais pas, je suis matricé par ce truc-là, d'avoir une expérience parfaite, mais je veux que quand le mec il commande son t-shirt qui coûte 50 euros ce qui est cher pour un t-shirt euh, ils reçoivent et se disent ah ouais en fait c'est cool je capte que c'est un bon t-shirt et comme moi j'ai déjà eu l'expérience en achetant des fois des, bah, des marques indé ou des créateurs en disant putain c'est trop cool c'est ça que je veux faire quoi. et je sais pas je veux que ce soit aussi cool de commander chez nous que commander chez ceci ou n'importe quelle autre marque que les gens perçoivent comme étant cool quoi et je trouve qu'on y arrive je pense que dès novembre euh, la vision sera très très bien exécutée. Forcément, il y aura toujours des trucs à revoir et à améliorer, parce qu'on n'est pas parfait, mais on aura atteint un niveau de détail qui me satisfait, et qui satisfera les gens qui ont des attentes super élevées, et c'est trop cool. Euh... Voilà. Euh... Non, c'est ce truc d'expérience, de, me... c'est un peu là aussi mon quotidien, parce que c'est moi qui touche les, les ficelles sur qu'est-ce qu'on va activer, et sur quelle direction on prend et on va. Et, euh, et je sais de plus en plus bah, comment je veux que Terne soit perçu. Et quand je vois tous ces changements qu'on opère, je me dis que c'est cool. Quoi. Je me dis que c'est vraiment cool. C'est vrai que j'en ai, ai parlé rapidement tout à l'heure en disant que j'avais fait une émission radio, mais ça peut être intéressant de parler de ce truc-là. Euh, ah, tiens, je vais parler de la radio et de mon concert. Euh, en gros, bah, du coup, je suis allé à la radio. En gros, j'ai été invité par. Il euh, y a un mec sur Twitter, il s'appelle Tazio et, euh, et il a un super média qui s'appelle Spotter. C'est un petit média. Euh, qui partagent des petits billets ou des informations euh, par rapport aux réseaux sociaux, la communication, le marketing, enfin, en vrai, littéralement, mon travail et mon quotidien. Et il euh, y a une vraie pertinence dans les propos, euh, dans les sujets qu'il aborde et tout, enfin, c'est vraiment génial. Et un jour, euh, il m'envoie un DM et il me dit « Ouais, ça te dirait de passer dans notre émission ?» Donc, c'est sur Move, euh, un truc de France, enfin, euh, des Radio France. Et, et donc, j'y suis allé, j'ai dit « Oui, direct » et euh, purée je stressais de fou c'est grave une expérience particulière parce que euh, bah c'est comme un podcast comme si je faisais là sauf que c'est en direct, quoi, il n'y a aucun retour et euh, je suis pas chez moi, je suis chez quelqu'un donc euh, je savais pas trop quand est-ce qu'il fallait que je prenne la parole quand est-ce que j'avais le droit de réagir, rebondir est-ce que j'articulais suffisamment qu est-ce qu'il y a un gros problème chez moi est-ce que je parlais pas trop vite et euh, super expérience je stressais pas mal et en fait euh, bah t'arrives, tu discutes un peu avec l'équipe et à un moment, on dit vas-y, il faut aller à l'antenne, je t'assois et deux minutes après, t'es à l'antenne. Et c'est vraiment kiffant comme expérience, c'est vraiment ce que je voulais faire. Ce qui est assez frustrant aussi par rapport à ça, on m'a proposé il y a quelque temps, Seva m'a proposé de faire une conférence. C'est vraiment un truc que j'avais mis dans ma liste de choses à faire dans ma vie. J'ai une liste de choses que je veux faire dans ma vie. Et j'avais écrit, ouais, je kifferais faire une conférence un jour pour voir ce que ça fait. Et du coup, j'avais l'opportunité qui s'est présentée malheureusement j'aurais pas le temps de le faire correctement donc j'ai refusé je dis que je pourrais pas le faire à ce moment-là parce que j'avais pas assez de temps pour faire un truc aussi bien euh, aussi bien que je le souhaitais donc euh, probablement ça se pro proposera plus tard mais mais euh, tous ces trucs là je suis assez content de les faire parce que c'est des vraies expériences de vie euh, nouvelles et c'est grave intéressant de confronter son projet à de nouvelles personnes c'est des trucs que je redoutais de fou et, et j'ai réussi et par rapport aux expériences que je redoute il y a oh, attends j'ai passé pour un, un bolos mais c'est pas grave c'est un peu marrant en gros euh, Début de l'année, je vois une pub sur TikTok. Ouais, euh, Fred Hogan qui passe en concert à Paris. Est-ce que tu veux t'inscrire aux préventes Ouais, je clique. Frère, je vais aller voir Fred Hogan en concert. Et euh, à l'époque, je demande à Tom. Il connaissait pas. Il me dit non, t'inquiète, ça m'intéresse pas. Mais je me dis, vas-y, je vais quand même m'inscrire, je vais prendre une place. Donc euh, le temps passe et tout. Les préventes arrivent. Je prends ma place. Du coup, je prends une place tranquille. Euh, je suis content. Mais je ne sais pas encore si je vais vraiment y aller parce que. Je n'ai jamais été à un concert de ma vie euh, tout seul. Et euh, je sais pas, c'est un grand truc que je redoutais. Euh, moi, les interactions sociales et tout, c'est pas mon fort, quoi. Être entouré d'autant de monde, euh, comme un débile, je pense que tout le monde me regarde alors que tout le monde s'en fout. Enfin, c'est assez particulier. Et euh, donc, euh, le temps avance et je me rends compte que genre, le concert, il est dans une semaine. Et, et je suis là en mode, putain, qu'est-ce que je fais Est-ce que j'y vais J'y vais pas. Sachant que la place, elle se revendait à 300, 400 euros. Euh. Donc, il y avait un dilemme en mode... Est-ce que je revends la place pour me faire de l'argent, mais d'un côté, s'il y avait de l'argent, qu'est-ce que je ferais bah, J'irais à ce concert, donc à quoi ça sert de revendre ma place si c'est pour au final euh, pas faire quelque chose que je ferais de cet argent et... et au final, vas-y, je me dis, tant pis, j'y vais, on va tester d'aller à un concert tout seul. Il y a probablement des gens qui écoutent là et qui se disent, vas-y, tranquille, je fais tout le temps et tout. Moi, j'avais jamais l'habitude, enfin, jamais fait, donc ça me paraissait grave bizarre, et je sais pas pourquoi, c'était grave une... un truc que je redoutais. Alors que ça m'arrive de manger au restaurant tout seul, euh, d'être tout seul pour plein d'activités, aucun problème. Mais concert, le fait d'être entouré autant de gens, je sais pas, ça me faisait stresser. Et je sais vraiment pas pourquoi. Enfin, si, parce qu'il y a du monde et tout. Et euh, donc on arrive et tout, j'y vais. Euh, donc je sais pas, euh, pas c'était assez particulier le fait de rentrer tout seul et tout. surtout que j'attendais personne. J'arrive et dans la fosse, il y a un mec du Discord EV qui est là. Donc on discute un peu. Trop cool, c'était l'occasion de discuter. Et, et c'est tout. Et après, bon, forcément, lui il part vers son truc. Moi, je le rejoins pas, je reste dans ma bulle un peu et tout. Et. Euh, et en gros, c'était tellement une épreuve pour moi et mon corps que ma montre, elle m'envoie une notif alors que le concert, il n'a pas encore commencé, et que c'est vraiment genre la période de, de transition entre le premier artiste et, et Fred Hogan qui arrive, en mode, wesh, rythme cardiaque super élevé, attention, qu'est-ce qui se passe, tu vois Genre, mon cœur, il va être à 120, 125, je ne sais pas, à 130, euh, alors que je ne bougeais pas et j'étais juste debout, quoi. Il n'y avait pas de musique. Et juste parce que je stressais et mon corps redoutait ce moment-là. Enfin, je trouve ça fou. Et pendant, genre... Euh, 20-30 minutes, j'avais les notifs euh, toutes les 5 minutes, comme ça. Euh, attention, euh, qu'est-ce qui se passe euh, Et je trouve ça fou. En fait, ce qui était fou, c'est que moi, je le ressentais, que j'étais pas forcément ultra bien. Je me demandais si j'allais faire un malaise et tout. Euh, parce que peut-être j'avais faim aussi un peu et soif. Et, et en plus de ça, il y avait la montre qui me le confirmait et qui me disait avec euh, le rythme cardiaque. Et au final, euh, spoiler alert, <laughs> je suis ressorti vivant du, du concert, comme quoi. Euh, des fois, mon, mon cerveau, mon esprit, il se met des barrières fous pour des trucs qui sont facilement achevables. Et j'ai... Euh, c'était une expérience différente, évidemment, que d'un concert avec des potes. Mais j'ai vraiment kiffé, euh, bah, du coup, le, le moment, quoi. Euh, vivre l'expérience solo, quoi. Euh, mais ouais, non, c'est fou parce que c'était vraiment un des moments forts de ce mois-ci. Euh, et une des épreuves euh, fortes. Alors qu'il n'y euh, a rien à faire si ce n'est... Euh, vivre et lâcher prise quoi. Mais, mais c'est pas toujours facile. Et en vrai, vraiment, c'est des trucs, des fois aussi simples, qui peuvent me faire bugger et tout. Et je trouve ça important d'en parler parce que c'est des trucs qui m'arrivent quoi. Euh, J'ai beau faire des trucs que les gens peuvent percevoir comme fou et impossible, des trucs aussi cons qu'aller à un concert seul, ça peut être des vraies barrières pour moi. Mais je pense comme ça, l'est aussi pour pas mal d'autres personnes. Enfin, je sais pas. Je sais pas. Voilà. <laughs> Sacré anecdote quand même. Enfin, c'est d'un côté naze et, et un peu marrant. Euh... Sinon, qu'est-ce qui s'est passé d'autre euh... Ouais, non, j'avoue que on a fait un peu le tour. Je suis content parce que je note pas mal d'éléments. Euh... En gros, j'ai pas mal d'idées euh, que je note sur mon tel. Par exemple, je pense qu'il y a un projet que je lancerai un jour, peut-être en, en anonyme, mais vous aurez oublié d'ici là mais en gros je me suis dit ça pourrait être marrant de lancer une marque de vêtements sans réseaux sociaux genre où il y a juste une boutique mais où la marque de vêtements n'a aucun réseau social et, euh, et comment faire pour qu'elle soit cool comment faire pour que les gens s'intéressent comment faire pour que les gens ils tombent sur le site euh, j'ai pas mal d'idées sur comment faire ça et comment faire des sacrés coups de com par rapport à ça mais je pense en fait que le fait de pas avoir de réseaux sociaux peut être un super moyen parce qu'en fait tu peux exister sur les réseaux sociaux sans avoir de compte euh, si tu fais des, des opérations fortes de communication bah ça peut être les autres gens qui parlent de toi et toi tu n'es pas présent, du coup ça peut encore plus t'intriguer. Euh, naturellement, si le projet se développe, tu des comptes communautaires qui peuvent se lancer, qui vont un peu remplacer ton compte officiel. Mais euh, je sais pas, je trouve que c'est un défi un peu marrant qui, qui me titille pour les prochains mois. Et ça aurait pu coller un peu à Terne de ne pas avoir de réseaux sociaux. Mais vu que j'avais le arroba, ça aurait été trop bête de, <laughs> de ne pas utiliser Instagram et tout. Et surtout que vu que j'avais lancé Terne de manière anonyme au début, euh, en ayant un peu d'argent mais pas trop ça aurait été trop compliqué s'il si fallait que j'enlève je encore plus euh, les réseaux sociaux mais ouais je pense que je lancerai un projet comme ça et pareil j'avais eu une idée je la lance parce que je pense que j'aurais pas le temps de la faire mais en gros euh, sur internet tous les réseaux sociaux utilisent euh, la plateforme Giphy euh, ou Ténor c'est deux services différents et en gros ce sont des banques de GIF quand vous envoyez un gif sur iMessage sur Twitter sur Messenger sur Instagram ces GIFs, ils ne viennent pas d'Instagram, ils viennent d'un site qui est une banque de GIFs. Et ces sites-là, tu as un moyen, je ne sais plus si c'est possible encore aujourd'hui, mais je sais qu'à l'époque, c'était compliqué, ils ont bloqué l'accès, et peut-être que depuis, ils ont réouvert, je ne suis pas au courant. Mais en gros, tu as moyen, en magouillant, de t'inscrire sur ces sites et de publier tes GIFs. Sauf que tu peux publier des GIFs et du coup être référencé sur des millions et millions de téléphones et conversations sans, sans vraiment... Euh, Travailler de fou. À l'époque, je l'avais fait, par exemple. Euh, C'est vraiment un move, un move nul à chier. Mais, mais en vrai, il était plus drôle qu'autre chose. Euh, quand il y avait la période des Gilets jaunes en France, je me suis dit ce serait marrant de faire un gif gilet jaune avec des Gilets jaunes qui, qui clignotent. Et genre, j'ai mis 3-4 Gilets jaunes et au milieu des Gilets jaunes, j'ai mis un t-shirt John FV. Et du coup, mine de rien, avec ce petit move débile et euh, ridicule, eh il y a pas mal de fois où il y a des snaps qui ont tourné sur Twitter et tout, où il y a le gif gilet jaune. Il euh, y a des TikTok avec, il y a des gens sur Twitter en story. En gros, il y a des gens qui utilisaient, qui mettaient un peu en avant la marque euh, là, sans vouloir le faire et sans qu'ils y pensent, sans le conscientiser un peu. Et du coup, en utilisant cet outil-là, je me suis dit mais en fait, tu mets un mec pendant un ou deux mois à faire des gifs non-stop sur tous les sujets et, euh, qui sont pertinents, bien sûr, par rapport à ta marque, en incluant ta marque dans le gif. C'est grave un moyen d'installer culturellement ta marque. Vu que les gifs sont grave des, des moyens de communication, si tu t'incrustes dans ces moyens de communication-là, tu peux t'incruster dans le paysage culturel, enfin, euh, tu peux t'installer dans, dans ton environnement, quoi. Et je pense que je le ferai peut-être dans quelques temps, je donne l'idée, peut-être que quelqu'un le fera avant et force à toi, mais euh, avoir ce, un mec ou deux qui font, euh, je sais pas, qui reprennent des mêmes, où ils foutent euh, nos vêtements par dessus ou alors euh, ils recréent des réactions avec nos vêtements et en fait vu qu'il y a peu de gens qui créent des gifs et que c'est souvent les mêmes gifs qui sont utilisés et bien en fait c'est super facile de se référencer, super haut pendant longtemps quand tu tapais hoodie dans les gifs euh, sur Instagram et bien euh, c'était des hoodies for a vacation sauf que partout dans le monde sur tous les gens qui utilisent Instagram, Twitter, TikTok et tout c'était genre for Action qui arrivait en premier depuis on s'est fait doubler parce que j'ai pas mis à jour et j'ai pas fait de meilleurs gifs mais euh, vous pouvez avoir un impact de fou avec des outils comme ça, un peu débiles, littéralement du slag marketing. Et euh, est-ce que ça c'est triché Je sais pas. Je pense pas parce que d'un côté, euh, en fait tant que tu trompes pas la personne, pour moi c'est pas tricher. Mais euh, <laughs> mais voilà, ça c'est marrant. Peut-être que j'active sur ce dossier-là. Mais mais voilà un peu tout. Euh, voilà un peu tout. Je pense que le sujet de la tricherie euh, il vaudrait d'autres épisodes. Mais euh, c'est vraiment un sujet que j'ai au quotidien dans ma vie, que ce soit par rapport au travail, par rapport à, à ma vie. Euh... En fait, où est-ce que je définis la tricherie Par exemple, ce que commander à manger, c'est tricher. Bah ouais, c'est tricher de fou. Mais c'est la tricherie que j'accepte. Boire du soda, pour moi, c'est tricher. Et ça, j'ai essayé de faire un effort là-dessus. Et ça me permet grave, je trouve, d'améliorer euh, ma, ma vie au global et, et de, 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 de renforcer qui je suis et qu'est-ce que je veux. Bref, pensez-y. <laughs> je passe pour un... <laughs> pour un ouf avec toutes ces idées, mais je sais pas, ça me fait et En final, les podcasts ils sont là pour ça, pour vous montrer un peu comment je pense, comment je réfléchis, euh, qu'est-ce que j'en ai autour de moi et tout. Quoi. Euh... Je réfléchis, c'est pas les sujets que je voulais aborder. Oui, on a acheté un deuxième compteur Shopify, ils ont restock euh, les compteurs, et du coup, on a enfin un compteur EV éterne en même temps. Et tout à l'heure, par exemple, on a eu une commande EV, je crois, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Euh, moi, je vais vous laisser là-dessus. On se retrouve euh, probablement euh, dès que j'ai du temps et des sujets abordés euh, pour un nouveau podcast. Ce serait cool de refaire avec du monde. En vrai, ce euh, qu'on en refasse. Je vous laisse. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du podcast dans les commentaires sur YouTube euh, ou en DM sur Instagram. Enfin, peu importe. N'hésitez pas euh, à partager votre avis, réagir. C'est grave cool parce que les podcasts, ils ont souvent une seconde vie. Il y a le moment où je partage et le moment où les gens interagissent. Et j'adore euh, euh, voir un peu ce que vous pensez, euh, ce qui vous a fait réfléchir et tout. Par rapport, bah, par exemple, ce soit au sujet de la tricherie, au sujet de la tri euh, de, du futur des réseaux sociaux, aux relations parasociales, au move un peu marketing et tout, aux actifs. Je suis toujours curieux d'avoir vos avis et vos expériences. Euh, voilà. Tiens, c'est assez marrant. Il euh, y a Ben de chez Cockers qui m'avait recommandé il y a quelques temps euh, la chaîne YouTube de la Boiserie. Il a lancé genre, une chaîne YouTube euh, où il documente un peu euh, tout le côté un peu business de ses activités. Et euh, mine de rien, je regarde ça assez régulièrement et c'est assez marrant de voir comment il évolue dans son projet, ce qu'il fait, comment il le fait et tout. Et je recommande, c'est un peu ma recommandation du jour. Je crois que sa YouTube, c'est euh, Lulu Ronce des J'essaierai de penser à le mettre dans la description. Mais du coup, il fait des vidéos où il parle euh, des boîtes qu'il lance, des galères, des ce à faire et tout. Alors, euh, c'est pas forcément des sujets qui m'intéressent tout le temps, mais vu que j'ai mon petit projet, des fois, c'est intéressant de voir l'expérience qu'il y a en face. Euh... Voilà. Voilà un peu tout. C'est. Euh... Non, voilà un peu tout. On se retrouve bientôt. Force à vous dans vos projets. Euh... Voilà. <laughs> Bonne soirée.